ne se passe rien en termes de tremblement politique, il n'y en a pas. Ce sont des conseillers municipaux qui, pour la plupart du temps, étaient totalement absents, non seulement du conseiller municipal, mais aussi des conseillers d'école, des commissions thématiques, même des réunions de proximité, des réunions de quartier. C'était des conseillers municipaux, pour la plupart, qui étaient fantômes. Donc c'est tout à fait logique qu'au bout de quelques temps, que ces conseillers municipaux ne produisant rien dans leur fonction, évidemment, parce que quand je parle d'absence, c'est même dans la production aussi, hein, ou dans les propositions. Et donc, nous en sommes là. Mais je voulais quand même aussi préciser, c'est qu'à aucun moment, un conseiller municipal démissionnaire est venu me dire, mais Christian, nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel ou tel projet, ou je ne vais pas voter tel ou tel point du conseil municipal. Donc il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de tension. Si ils ont fait leur choix. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, si c'est une manœuvre qui est de politique politicienne pour chercher à déstabiliser Christian Baptiste, bon, elle n'est vraiment pas réussie, c'est un épiphénomène. Et donc, par conséquent, ils sont libres après de faire le choix. Si demain, on doit être confronté, parce que c'est bientôt les élections municipales, nous serons confrontés. Mais je tiens à préciser, ils sont aussi comptables du bilan que nous avons eu, dans la mesure où je dis régulièrement, ils ont toujours voté l'ensemble des dossiers que nous avons présentés au conseil municipal.